ce genre de truc. Maintenant, on espère, vu qu'on est en découverte, on espère pouvoir le refaire au moment de la sortie de notre album sur le plateau. Qui est prévu quand alors? C'est une grande question, en 2012. Eh ben oui. Ouais, ça sera certainement en 2012, on espère. Si c'est après, de toute façon, je pense qu'il sera passé un problème. Mais oui, enfin, voilà. Comme on dit depuis tout à l'heure, ça va lentement mais sûrement. On est régulièrement en studio pour finaliser toutes nos maquettes, bien aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. On produit plus de maquettes que ce qu'on aura de titres sur l'album pour vraiment faire le tri. Voilà, tant qu'on peut le faire, on le fait. Et ce premier single, alors, ça vient de où? Le titre, le texte, ça parle de qui? C'est un de nos erreurs, c'est un des premiers titres qu'on a fait. Ouais, c'est vrai qu'il est arrivé assez vite au final, c'est là, le quatrième. Qui c'est qui a validé le titre? Qui a validé le titre de nous? Oui, nos erreurs, c'est vous deux? Celui-là en premier single, ouais. Parce que c'est la chanson qui... Qui résume assez bien... Non, c'est pas ça, c'est juste c'est la chanson qui fonctionne un peu toute seule en fait. C'est parti de très peu de choses, trois accords sur un guitare-voix et puis Dimitri a tout réarrangé et puis au final il lui a donné une dynamique qu'il n'avait pas du tout. Et la ligne de voix sur le refrain, elle fonctionne plutôt bien et de façon assez simple au final, enfin, j'ai l'impression.